Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Road to Hazard les amis. Donc enfin, oui enfin, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas sorti, la sortie du premier épisode. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de problèmes les amis, Donc le premier problème c'est que j'arrivais plus à me connecter sur le jeu, c'est pour ça qu'on est sur l'application web les gars, parce que il m'est impossible de me connecter sur le jeu avec ce compte-ci. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça me met déconnexion du PSN, enfin bref, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça m'a saoulé, du coup pendant une semaine je n'ai pas fait d'achat-revente, puis après donc je me suis dit on va le faire sur l'appli web, donc j'ai fait sur l'appli web. Et comme vous deuxième souci c'est que mon PC gamer, la carte mère m'a lâché, donc du coup je n'ai pas encore pu récupérer le gameplay que j'avais enregistré déjà sur ce PC, le gameplay qui était sur ce disque dur que je n'ai pas pu récupérer. Donc résultat c'est pour ça qu'on se retrouve tout simplement directement là les gars avec une relance où j'ai fait une relance il y a quelques jours. Donc je vais vous expliquer la technique qu'on a fait. Donc les gars, donc c'est simple. On a fait la technique fuite millionnaire sur des joueurs argent non rare du BPL. Donc cette technique marche assez bien. Ça ne marche pas aussi bien que la technique que j'ai fait sur les packs bronze ni la technique fuite millionnaire. Mais elle marche assez bien on va dire. Certains joueurs n'ont vraiment pas marché et ils ont pris beaucoup trop de temps à se vendre. Et il y a d'autres joueurs que j'ai dû baisser les prix pour certains. Et il y a d'autres joueurs qui sont partis au bout d'une ou deux relances. Donc comme quoi c'est vraiment une liste de joueurs. Donc ce que j'ai fait les gars, vu que j'ai fait encore que des joueurs de BPL malheureusement, mais quand j'ai dit j'ai eu des sacrés problèmes, donc j'ai pas pu malheureusement tester d'autres championnats avec cette technique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une liste des joueurs non rares qui marchent avec cette technique. Donc l'avantage c'est que les joueurs non rares ce qui coûte moins cher que les joueurs rares. Donc on peut en avoir plus pour moins de crédit. Et donc voilà. Et donc j'ai décidé de mettre ça, et puis je vous ai mis aussi le barème si vous l'avez toujours pas, le barème d'achat-revente de la technique fuite millionnaire. Je vous n'hésitez pas à aller le télécharger, le lien sera également dans la description. Donc en tout cas, comme vous l'avez vu, on a listé les joueurs, et puis voilà, finalement tout s'est vendu au bout d'un certain temps. Hein. J'ai pris au moins presque deux semaines à tout vendre les gars, pour vous dire que cette technique elle marche sur certains joueurs, mais sur d'autres c'est vraiment la galère. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu les gars, même si voilà malheureusement je n'ai pas pu vous proposer de qualité, une excellente qualité. On est arrivé quand même à 35 000 crédits, donc qui dit 35 000 crédits dit nouvelle technique, à la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire, j'essaierai de sortir le prochain épisode rapidement, essayer de me prendre max une semaine pour sortir, ce serait bien, j'ai essayé les gars. Et puis je vous retrouve avec peut-être pas une nouvelle technique les gars, mais des nouvelles listes, ça va être assez intéressant. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, tout comme le lien du barème et la liste des joueurs de Nora de BPL pour cette technique là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo les amis, si vous êtes sur une chaîne communautaire n'hésitez pas à venir, à vous abonner et à récupérer le barème et la liste des joueurs qui sont dans le lien de la description de la vidéo qui sera postée sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu les amis, prochaine fois, bye tout le monde. Allez, je me retourne, s'il vous plaît donnez moi du lourd. Allez, je croise les doigts, je ferme les yeux. Je me retourne. Rakitic. Hop et voilà, Aubameyang, ça fait plaisir ça.